sur Minecraft, il existe des seeds vraiment incroyables. Il y a de nombreuses vidéos qui répertorient toutes ces seeds, et j'avoue qu'à chaque fois que je vois, je me demande comment ces mondes sont générés. Bienvenue à tous, moi c'est IconSy, et aujourd'hui on va essayer de découvrir une seed par nous-mêmes en générant plusieurs mondes, voir si on peut avoir la luck de certaines seeds, et je vous mettrai la meilleure seed en description, et ce sera à vous de me dire quelle seed vous avez préféré, quelle seed est validée. On n'arrêtera pas la vidéo tant qu'on n'a pas une seed incroyable. Avant qu'on commence, n'oublie pas de liker cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me soutient. N'hésite pas à t'abonner et surtout à commenter ce que tu penses de cette vidéo. Vous êtes prêts? Tout est bon? Alors c'est parti. Pour cette vidéo, je suis en 1.19.3. Alors on va mettre le 1. Allez, c'est parti. Create a new world. C'est parti. En espérant, si on tombe directement sur une seed incroyable, c'est insane. Allez, verdict les gars. Bon, on atterrit dans une sorte de glace, dans un biome glace. Petite précision, on a juste 50 blocs à faire. Vous avez là besoin de faire des centaines de blocs, sinon ça marchera pas. On a quand même un beau biome glace ici, qui s'étend un petit peu à perte de vue. Bon, là-bas, on a encore un autre truc, je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, en fait, on est dans un beau biome glace. J'aime beaucoup, mais malheureusement, c'est pas une seed exceptionnelle. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le... Et moi, j'aime beaucoup le biome glace, hein. Il est pas mal du tout. Prochaine seed. N'oubliez pas, les gars, vous pouvez noter les seeds sur 10. Première seed, moi je donnerai quand même un petit... Allez, on va donner quand même un petit 5, 6, un petit 6 sur 10 parce que j'aime beaucoup le biome glace de ce côté et le petit biome enneigé ici. Ceux qui ne savent pas, je kiffe. Hop, on va créer un autre monde. On va l'appeler peut-être cette fois-ci chance parce que comme ça, peut-être qu'on aura plus de chance. On a mis les cheats et on peut commencer. La génération se fait. Allez. Ok, bienvenue dans le monde. Game mode creative. Ok. Oh là là, j'ai... Oh là là. Attendez, attendez, attendez. Cette génération, elle est pas mal, hein. Vous avez une petite île, mais elle est incroyable, l'île. Oh là là, je suis trop contente de cette seed. Oh là, mais les gars, attendez, attendez, regardez, au spawn, vous avez déjà l'île, elle est, moi je la trouve splendide, l'île au milieu, incroyable. Vous avez ici une petite arche. Oh, ici, parfait, c'est pas trop mal. Attends, c'est quoi ça? Oh là là, non, pas que. Les gars, il y a une autre île. Mais oui, c'est une autre île. On a deux îles côte à côte, mais c'est incroyable cette seed. Non mais non mais là les gars, c'est incroyable cette seed. Ah ouais, non, en vrai de vrai, la seed est pas mal du tout. Oh là là. On va un petit peu vérifier les alentours, comment ça se passe. Ici, on a, ok, des petites montagnes. On a les biomes, on a différents biomes assez proches les uns des autres. Là, on a une jolie grotte, tiens. Ok, c'est une grotte sous-marine. Oh là là. Les gars, c'est une grotte sous-marine qui... Ok, qu'est-ce qu'on a? Je vérifie un petit peu ce qu'on a aux alentours. Pour l'instant, je sens que c'est une masterclass. Alors, un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? On a un autre biome. On a un autre biome ici. C'est un biome plein. On a un village, ok. On va voir un petit peu à quoi ressemble le village. Ok, on a un village avec une... Et j'aime beaucoup ici la crevasse qu'on a là. J'aime beaucoup là, ce qu'on a là. Ok, un bon petit village. Un autre biome. Le village, il est vraiment pas loin de là-bas. Ok. En tout cas, l'île qui est ici, c'est une masterclass. J'aime beaucoup. Attendez, on va juste voir. J'aime beaucoup le fait que ce soit une île. L'arche qui est là, elle est belle. On a une autre île qui est juste là-bas. On va partir un petit peu dans ce sens, voir s'il y a par là. Après, ici, c'est un biome plein assez classique. On a une île. Encore une belle île. Bon, l'acide, on va récapituler ce qu'il y a. Il y a tout simplement une île incroyable ici. On a une autre île qui est juste derrière. Une troisième là-bas. C'est vraiment des trucs que je trouve assez stylé dans un monde. Malheureusement, je ne sais pas si on peut appeler ça de seed exceptionnel ou quoi, mais moi je la kiffe et je lui mettrai un bon petit 7-8 sur 10 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le fait qu'il y ait une île ici, oh là là, c'est incroyable. Je valide fort. Bon, j'avoue, le fait de l'avoir appelé chance, ça m'a un petit peu ouvert les yeux. Je me suis dit, bon, on va continuer comme ça et là, cette fois-ci, on va l'appeler chanceux. C'est parti les gars, on crée un nouveau monde. Ok. Ok, bien arrivé sur mon monde. On atterrit sur une île. Ok, on est sur une île. Mais pourquoi il y a des... Pourquoi il y a un marécage? Pourquoi il y a un marécage? Faudra le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bateau. Ok, on a un bateau juste ici les gars. C'est absolument pas ce qu'il y a dans le... On a un petit biome marécage, ok. On a deux jolies montagnes ici. Deux jolies montagnes, très jolies ici, très jolies. Il y a des blocs vols hilarants. Bon, malheureusement, rien d'exceptionnel pour cette petite carte. Ok, alors, on vient d'arriver sur le monde. On a tout simplement une très jolie montagne, là. Et dis donc, une très jolie montagne enneigée, sauf qu'au centre, ce n'est pas du tout enneigé. Incroyable, celle-là. Regardez-moi la montagne enneigée. C'est incroyable. Au milieu, ce n'est pas enneigé. On a un joli lac souterrain. Ok, je valide. Je préfère même celle-là qu'avec les îles. Oh là là, niveau montagne, c'est incroyable, niveau montagne. Au niveau des montagnes, c'est incroyable. On a une autre forêt ici. En tout cas, tous ces arbres enneigés, cette montagne enneigée, c'est incroyable. Ok, regardez.
Cette crevasse, ok, pourquoi pas. Là, je valide. Cette entrée sur la mer, là, je valide. Regardez-moi cette génération. Oh, ok, je valide totalement cette entrée sur la mer. Ça enchaîne sur un biome plein là-bas. Incroyable. La neige, comme vous savez, c'est mon endroit préféré sur Minecraft et même en dehors. Là, on a encore un endroit vierge de toute neige. On a un beau petit village juste ici. Vraiment pas loin. Avec un biome ici, ok, non, je valide. Avec la jungle, tous les biomes sont là. Regardez la tête de Wam. Regarde. Donc, ça fait neige. Neige, plaine, savane, forêt, jungle, à côté. En l'espace. Non, c'est incroyable. C'est la meilleure. Oh là 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 là. Regarde en plus. Oh là 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 là. Cette vue comme ça, regardez. Plaine, savane, forêt, jungle. Là-bas, il y a la neige. Cette seed, elle est insane. Et je crois que c'est ma préférée. Je vous le garantis, c'est ma préférée. Ok, je n'atterris dans le monde. On y va, on y va, on y va. On court. Donc, il y a un grand biome savane de ce que je vois. Pourquoi l'eau elle est comme ça les gars? C'est de l'eau nouvelle génération peut-être que je connais pas. Ok, eau très spéciale ici. Ok, un petit village ici. Bien sympathique, ok, pourquoi pas. Le village il est vraiment petit. Et vous, vous êtes des méchants bonhommes. On a une grande plaine, ok, non mais ce qui m'intrigue le plus c'est l'eau comme ça là-bas. Je sais pas pourquoi, ça doit être parce qu'elle est dans le sable. Bon, mis à part ça, il n'y a pas grand chose vraiment qui pourrait... hormis le fait qu'il y ait plein de biomes autour différents. Hormis ça, il n'y a pas grand chose. Bon, pour ce dernier, bah, j'ai atterri dans une grotte, juste ici. On a pas mal de failles, pas mal de montagnes. Je trouve cette génération incroyable en termes de toutes les montagnes qu'il y a. Regardez, ça fait que avoir des petites collines, des petites montagnes. Avec évidemment la plus grosse montagne au milieu enneigée. Avec les petits glaciers qui sont aussi insane. Regardez-moi ça. En son centre, les gars, on retrouve une forêt qui, elle, n'est pas enneigée du tout. Et je trouve ça encore une fois insane. Regardez quand t'es en bas et que tu vois toutes ces terres au-dessus enneigées. Ça te fait vraiment une petite île au milieu. Et ça fait une sorte de petite maison que tu peux améliorer ici. C'est vraiment incroyable. Mis à part ça, on retrouve des failles habituelles dans Minecraft. Et un autre glacier juste en face. Et celui-ci n'a pas de forêt en son centre. C'est juste un glacier assez haut. Bon, c'est l'heure de se dire au revoir. Je pense qu'on a trouvé quand même la pépite. Enfin, la pépite. On a trouvé le meilleur. Hein. On va pas se mytho. J'avais bien kiffé avec la forêt au milieu, avec tous les biomes alignés comme ça. C'était vraiment incroyable. Si tu veux un épisode 2, n'hésite pas à me le faire savoir. On ira chercher l'acide pépite sur Minecraft. Et j'espère que ça vous a fait kiffer. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous mets la meilleure seed en description. Et pour ceux qui veulent un épisode 2, n'hésite pas à me le faire savoir. Prenez soin de vous, portez-vous bien, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez. Je suis dans la poudreuse. Bisous!